Ça marche ou pas? On tourne. Je dis des conneries, monsieur. On tourne, mais il veut pas sonner de l'autre côté. Yo, 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 yo. Comme d'habitude, je mets pas de live, du coup, là. Et bois. Et bois. Sonnerie. Je vais pas mettre de l'autre côté, comme ça, tourner l'appareil. Je mange bien. C'est bien, ça marche pas. Tant pis, il y a ma soeur là, qui arrive. Telle. Ça bug, ouais, je sais. Mais je sais pas pour comment faire. Chez moi. Mais... Bon, on va voir si ça bug plus là. On verra si ça bug ou si ça bug pas. Et puis si ça bug, bah, vous pouvez pas rester. Si vous voulez pas rester. Carlaxie, le gros ouf. Il est où? Merci, pardon pour la Sainte Barbe. Tant pis, mais t'es beau avec ta... Merci pour le don, ça fait super plaisir. Ça bug plus. Salut, ça va? Il est super beau ton dessin de Kenny. Merci. Je ne sais pas si... comment dire... que... Je ne sais pas si ça va encore rebugger. Hein, je suis désolée. Alors, j'ai changé. J'ai mon de connexion, on verra bien. Yo tout le monde, alors je dis bonjour, j'ai mis un pouce bleu, j'ai mis un like. Merci Carlaxi. T'as mis où tes frisettes? J'espère que tu les as pas coupées quand même. Ils vont pas toutes te couper quand même. La barbe, les cheveux, tout à l'heure il va se mettre tout nu sur YouTube. Non, si je quitte et je refais, ça va faire 10 lives. Non, ça va pour l'instant, ça marche. Dis à Kenny qu'il est drôle. Bah, je sais qu'il est drôle puisque c'est mon fils. Vous m'entendez bien? C'est Bat du 79. Tu te rappelles de moi? Ah oui, pourquoi tu as changé de nom, Warthog? Coucou Sacha. Kenny, je t'ai mis un pouce bleu. Merci ma poulette. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Carlaxi, t'es complètement fou. Tu es la plus belle. Un bal, il est fou, lui. Il met deux postes sous, arrête. Pourquoi Kenny rassemble à madame? Parce que c'est un vilain. Et Carlaxi, ça va pas bien dans ta tête. Ah ben, je vais pouvoir m'acheter des nouilles. Je vais m'acheter 20 kilos de nouilles. Merci, Carlaxi. Au fait, Carlaxi, oublie pas ton défi. Il faut que tu te déguises, hein. Mais avec un beau costume. Tu manges de ravioli parce que j'adore les raviolis en boîte. Faut, c'est chacun son truc. Hein. Moi, j'aime bien les raviolis en boîte avec du gruyère. Voilà. Parce que j'ai une nouvelle chaîne. Ah, d'accord. Voilà pour acheter des nouilles. Merci, Carlaxi, pour acheter des nouilles. Allez, les pouces bleus, là, quand même. Moi aussi, je mange trop de nouilles. Du peu. Appelle, tu peux appeler Kenny. Mais non, je ne suis pas chez moi. Je suis chez ma soeur. Ma soeur. Ah, c'est cool, ça bug plus. Sinon, ça va? Tu manges doucement. Tu vas acheter du PQ pour Kenny. Oh non. Il n'a pas besoin de PQ, lui. Il s'essuie pas. Si, je rigole. Sur la nappe. Il s'essuie sur la nappe. Elle me fait rire. Carlaxi, toi aussi, tu me fais trop rire. Merci pour tes vidéos qui me remontent le moral. J'adore Carlaxi parce qu'il est complètement fou. J'ai 54, 55, 56. En fait, je sais plus. Salut, Zarki. Naruto. Tiens, bientôt, je vais dessiner Dragon Ball Z, j'adore. Carlaxi, arrête. Un bisou dans le cou. Ouh là là, c'est chaud, là. Deux balles encore. Mais il est cinglé, lui. Hein.
Arrête, hein, car là, si tu vas me faire péter les plombs, là. Salut, je t'adore, continue comme ça, tu es la meilleure, merci. Wave machine, chatouille, cool. Tu peux faire un prank à Kenny avec tes cas? Ah bah, normalement, après le confinement, je vais voir mon fils direct. Oh, Carlassi, arrête, hein. Maintenant, il me fait un bisou dans le dos. Et il m'a donné 20 balles. 5 balles, 2 balles, 2 balles. Il est fou, lui. Il est complètement zinzin. Tu dessines bien. Merci, Naruto. Sébastien, petit Kenny. Petit Kenny, Kenny, il mesure 1m98 hein, et 55 kilos. Bonjour, Clément, ça va? Non, je te débloque pas parce que tu n'arrêtes pas de me harceler. Alors, quand tu auras fini de me harceler, bah, je te débloquerai. 2 euros encore, Carlaxi. Il me fait, je te fais un bisou sur l'épaule. Tout à l'heure, il va me faire l'amour. Arrête, Carlaxi, je vais rougir. Mais t'es fou, toi. Hein. Deux balles de Fortnite. C'est quoi ton manga préféré? Moi, j'adore tous les Dragon Ball Z. Et qu'est-ce que j'aime encore? Oh, hey, Carlaxi, bisous sur, sur tes fesses. Et il m'embrasse les fesses maintenant. Et je te présente ma soeur. Ma soeur, viens là. Ma soeur, viens voir. Si elle est belle. Est-ce qu'elle est belle, ma soeur? Non, je suis moche. C'est ma petite soeur. Enfin non, c'est ma grande soeur. Elle est belle, ma soeur. Elle est célibataire, elle cherche un amoureux. Non, arrête. Si, c'est vrai, elle cherche un amoureux. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, ma soeur, elle est célibataire. Elle mesure 1m69. 69. Et elle pèse 60 kilos. Et elle est belle, elle est gentille, elle est mignonne. Et elle a un enfant. Fais voir près de moi ton enfant. Je vous fais voir. Carnaxi, arrête, hein, sinon ça va mal se passer. Voilà sa fille. C'est la fille à ma fille, à ma sœur. Zouzout, arrête, hein, Carnaxi. Voilà. Voilà sa fille. Alors, si vous connaissez un homme qui a des sous, qui a une maison, un jardin, tout quoi. Non, je rigole, mais si vous connaissez un amoureux pour ma soeur, qui a dans les 50-60 ans, c'est bon, ça marche. Hein. Ouais, c'est bon, ça marche. Mais il faut qu'il soit gentil. Hein. Ok, on n'oublie pas le pouce bleu à Yannick. Hein. J'ai pété, bah dis un gros dégueulasse si t'as pété. Coucou, vous allez bien? Oui, Lix. Et ton gâteau là-bas. Je ah là là, Zokari. Zokari, qu'est-ce qu'il a, Zokari? 78 et tout le temps en slip. Ouais, c'est vrai, il aime bien être en slip. À poil, il est tout le temps à poil, Jawed. Mais il fait super chaud hein, dans son appart. Hein. Moi aussi, je t'aime, Dragon Ball. Bah, moi aussi, j'adore Dragon Ball. Et Carla, si t'arrêtes, tu vas plus avoir d'argent. Hein. Et moi, j'aime bien, j'ai fait des dons de 1 euro, 2 euros, et lui, il me fait des gros balles. Un gros bisou pour ta sœur qui est très belle. Tu vois, chérie, je t'avais dit, ma sœur, que t'étais très belle. Ouais, mais non, mais c'est bon. Un bisou pour ta sœur. Oui, ma sœur, elle est super gentille, elle est belle, elle est mignonne. Non, mais j'en ai trouvé un, c'est bon. Elle est sincère, mais elle veut pas épouser. Non, je rigole, mais voilà. Ta soeur est très belle. Oui, je sais, elle est belle. Vous pouvez me faire un gros dégueu. Qu'est-ce qu'il raconte là? Bisous, Paco. Et François, Jojo, bizarre. Il va faire qu'est-ce qu'il a dit, Zozo? Jojo. Ah, mais non, il regarde pas YouTube. Salut, Janie, comment vas-tu? Moi, c'est Adofuté. Mais pourquoi t'as changé comment ça s'appelle? De nom. Bisous. Tu t'en vas, Paco? Toi et tes câbles, vous faites quoi tous les soirs dans les toilettes? Ah ben moi, je ne vais pas dans les toilettes avec Zorakari. Je suis pas chez lui, je suis chez moi. Hein. Des pêches? C'est des grenouilles, ça. Ah, mais je savais pas qu'ils en avaient des mains. Bah, c'est le petit magasin là à côté.
Oh, après le confinement, Jeannick, tu vas faire quoi? Je vais vite faire voir mon fils. Je vais voir mon fils et 10 balles. Carnexie, arrête tes conneries, tu vas me faire tomber par terre. Quel signe astrologique vous êtes tous les deux? Moi, je suis du poisson et ma soeur, elle est de là-bas. Non, pas de là-bas. Gémeaux. Elle est du Gémeaux, ma soeur. Tu manges, je mange des raviolis en boîte, parce que je kiffe les raviolis en boîte. Voilà, Carlaxie, ma soeur, elle est Gémeaux. Ouais, Carlaxie, il est riche, arrête avec tes sous, là. Il va nous rendre ouf, lui. Ah ben, comme ça, je vais m'acheter un déguisement tout prêt, comme ça. Oublie pas, Carlaxie, tu dois te déguiser, hein. C'est lequel? J'ai déjà vu, non? Oui, je t'ai fait voir la photo, avec ses frisettes, là. Moi, je le kiffe, il est trop gentil. Depuis qu'il est là. Mais non, j'ai un copain. Ben oui, elle a un copain. Ravioli au poulet. Coucou, Yannick, Kenny. C'est mon idole. Je l'aime tellement, il me fait tout le temps rire. Ben oui, hein, moi aussi. Hein. Ma soeur, elle a déjà fini de manger. Hein. Elle se croit au boulot. Carlaxie, arrête avec tes bisous, là. Je vais avoir chaud partout. Fais une dédicace à Lola, ça y est. J'aime bien le pseudo que j'ai changé, je préfère. Dylan Lanzi. Oui, mais moi, je te connais sur Radio Futé. Et puis, je suis pas sûre que c'est toi. Là. Faut que si c'était vraiment toi, bah, je veux être sûre. Sinon, j'aime pas quand Kenny rate sur Ramadan. Ouais, c'est un vilain. Hein. Il a pas le droit. Ça se fait pas de rater son Ramadan. Kenny doit te manquer. Ouais, il me manque beaucoup parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de. Coucou, ça marche bien ta chaîne YouTube. Bah, pour l'instant, ça va. En fait, ça remonte un petit peu parce que j'ai viré plein de monde nocif. Nocif et puis du coup ça marche. Carlaxie, je t'ai mis modo parce que tu m'as mis modo sur ta chaîne, mais en fait Carlaxie, sur ma chaîne c'est juste pour que tu sois visible, mais t'as rien à faire, t'as pas à bannir, t'as pas à mettre en temporaire ou quoi que ce soit, c'est juste pour que tu sois modo, pour qu'on te voit, mais t'as pas besoin de rien faire, moi tu me gardes. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit sur ma chaîne, t'as juste besoin d'être là, quoi, c'est tout, si tu veux être là. Comme ça, ça te fait de la visibilité et de la pub. Voilà. Et s'il y en a que ça leur plaît pas, bah voilà, c'est pas grave. Mais faut je ne banne pas, t'inquiète. Faut pas ban, faut pas supprimer des messages et tout, tu fais rien du tout. En fait, c'est juste pour que tu sois visible, c'est tout. Voilà. Tu peux me faire une dédicace. Je fais des dédicaces à personne. Parce que, en fait, je ne fais rien sans ton accord. Ok. T'as combien d'abonnés? 19 200. Tu es un amour. Je sais. Je suis l'amour de tout le monde. Jannick, j'aimerais tellement rencontrer Kenny, mais avec le confinement, c'est chiant. Bah oui, puis en plus... si vous voulez aller le voir à la Paris Games Week, il y sera. Oh, je suis trop contente que ça marche, hein, la connexion, parce que j'en avais marre. Carlaxie, arrête, hein. Alors, Carlaxie, il faut que tu cherches ton déguisement, hein, pour le nouveau défi. Si, Jannick, je suis... J'ai le nom parce que ce doigt de fidèle, c'était plutôt pour les jeux de... Nanana. Ok. J'ai de la vidéo. Ouais, mais je suis pas sûre. Alors, comme je suis pas sûre... Et eh ben, je te remets pas modo. Je mets du vinaigre dessus. Je veux dire quoi, ça veut dire quoi, confinement? Bah, il faut rester chez toi, confiné. Merci pour le dessin. Je vais te l'envoyer bientôt. Hein. Parce que là, je suis chez ma soeur. Du coup, le lundi, j'envoie le courrier. Je t'envoie ça lundi, ton dessin. Mais Gros Lourd, il a pas laissé son adresse pour que j'y envoie son dessin. Alors, il m'en veut peut-être pas. Hein. Tu me veux en quoi? En lapin. Ah ouais, en lapin, ça serait mignon. Ou en lion. Bah, que tu veux. Hein.
Avec plaisir. Ouais, moi je vais me déguiser, mais je vous le dis pas. C'est moi qui vais réaliser mon costume moi-même. Hein. Tu fais croire à Kenny que tu as fait un enfant, n'importe quoi. Je vais le fâcher, lui. Fâcher. Je vais le. Ah oui. Tu as vu le pauvre, il fait ban de Twitch. Qui s'est fait ban de Twitch? Kenny ou Jawad? Jawad. Mon fils rentrera le 11 mai. Oh, cool! Oh, je suis contente, Nadia. Je suis trop contente pour toi. Il va bien, alors? Oh, je suis contente de ouf. En fait, pour vous expliquer, le petit bébé de Nadia, il est depuis la naissance, il est à l'hôpital, il va pas tarder à sortir. Alors, je voudrais que tout le monde mette des pouces bleus pour Nadia Love. La pauvre petite mère. Elle a été privée de son bébé. Tu aimes les films d'horreur un petit peu, ça va. Janik, tu sais quoi, c'est en quoi? Ça serait bien que tout le monde mette des pouces bleus pour Nadia, parce que non, des cœurs pour Nadia, ça lui ferait plaisir. Janik, est-ce que tu peux faire un dessin de Dragon Ball Z et de me l'envoyer? Bah si tu veux. Sur Snapchat, mais non, je préfère t'envoyer le dessin directement chez toi. Hein. Peux-tu me mettre modérateur? Je mets modérateur celui qui me suit tout le temps. Merci Sibla pour les cœurs de et Cyrine pour les cœurs pour Nadia. C'est pas évident, ça fait 2 mois et je le vois pas. Pauvre petit bibi. Moi j'ai de la peine pour toi parce que ça fait mal. Tu vas faire une vidéo pour me lancer le défi déguisement? Bah non, on se déguise tous les deux, c'est bon. Mais moi, je ne sais pas faire les montages. Alors, moi, je vais me fabriquer un costume. Par contre, je vais faire la vidéo du coussin, hein, c'est sûr. Je t'ai envoyé la photo et tout. Hein. Je vais faire une mini vidéo et puis tu veux la faire. Ils ont faut du courage. Ah oui, ils ont faut du courage, Manadia. Tu aimes Sam, le pompier? Ouais, j'aime bien. Bonjour, Infect. Ça va? Moi aussi, je fais le... Oh ben j'ai pas vu. Ça va trop vite. Désolé, je dormais. Oh mais c'est pas grave, t'as le droit de dormir. Est-ce que tu sais vraiment si c'est Carlaxy? Ce qu'il a fait, c'est très grave. Et Clem, je t'ai rien demandé. La vie privée des autres, ça me regarde même pas. Et toi, tu devrais t'occuper de toi, Sébastien. Attends, comment c'est qui a dit un truc là? Clem, pardon. Au lieu de t'occuper des autres, tu ferais mieux t'occuper de toi. Ça regarde personne, sa vie privée, c'est sa vie privée. Tu mets du râpé dans tes raviolis? Ah oui, j'adore le fromage. Tu aimes les plantes? Oui, j'aime les plantes. Tu connais Adam le rigolo? Ah ouais, je le kiffe, Adam rigolo, il me fait trop rire. Je l'ai vu en vrai. Et je vous raconte l'anecdote. Adam le rigolo, c'est quand j'étais à la Paris Games Week avec Kenny. J'étais dans le salon de Wisdeo. Et pardon, je rote, alhamdoulilah. Pardon, j'ai encore roté, alhamdoulilah. J'étais à la Paris Games Week, dans le salon de Wisdeo, je répète. Et j'étais assise, je buvais un petit coca avec ma sœur. Et tout d'un coup, je vois un petit blond qui arrive avec ses grosses frisettes, là, comme ça, qui tombe et tout. Il me fait « Bonjour, Janik !» Puis il me serre la main, « Ça va, Janik ?» et tout, « Je t'adore, je te kiffe de ouf et tout. » J'ai attends, j'ai mis l'abonné, tu me kiffes de ouf. Il me fait, oui, je te regarde tout le temps sur les vidéos de Kenny, je t'adore, tu me fais trop délirer. Je voudrais une dédicace, je fais une photo avec toi. D'accord, pas de problème, alors on fait une photo, machin, nan, nan. Et puis, voilà, et puis maintenant, on se contacte de temps en temps. J'adore trop... Voilà, ça s'est passé comme ça, je l'ai vu à la Paris Games Week, et puis on a sympathisé, puis on s'envoie des petits messages, temps en temps. Oui, Carlassi, merci beaucoup, mon petit bibi. Janik, tu te rappelles quand Kenny a acheté 100 euros de V-Bucks avec ma carte bancaire?
Mais non, sois pas jaloux, Cardaxi, mais moi j'aime tout le monde. T'as combien d'abonnés? 19 200. Fais un prank à Kenny en live. Ben non, je peux pas avec mon téléphone. Si je suis en live, je peux pas faire un prank avec mon téléphone. Hein, parce que c'est mon téléphone que je suis en live. Mais je t'ai suivi depuis un moment. J'ai juste changé de pseudo. Ben, c'était quoi ton pseudo avant, l'Arcax? Les arcs. Je t'ai... T'as une caméra? Bah non, c'est mon téléphone, mon Samsung Galaxy S6+. Félicitations, Yannick, merci. Moi aussi. Je peux te faire un don? Bah vas-y, mais fais gaffe de pas dépenser tes sous. Hein. Moi, je suis pas responsable de ceux qui me font des dons. Hein. Je vous le dis d'avance. Tu manges quoi comme dessert? Une perche. Oui, parce qu'avant, j'avais un Wico. Et ma soeur, pour le mois de février, elle m'a payé Mais le gars, ce que vous savez pas, c'est que tous les pranks sont faux. Bah non, il y a des pranks qui sont pas faux. Hein. Non, je préfère pas. Sinon, ma mère, elle me tue. Bah non, il faut pas faire des dons. Faut faire des dons si tu en as envie et si tu as l'autorisation. Et puis voilà. T'inquiète pas, je prends en douce la carte. Non, faut pas faire ça. Hein. Moi, je suis pas responsable de vos bêtises. Hein. Mon chat est mort aujourd'hui. Bah mince, t'as pas le bol. C'est frais. Tu connais mon gadget? Non, je connais pas. Téléphone à Kenny. Il a cru que j'allais donner le téléphone de Kenny, lui. Il fout, lui, dans sa tête. Et oh, t'inquiète. Hein? Je vais faire un don de 1000 euros. N'importe quoi, lui. Ah, moi, je connais pas. Elle sort du frigo ou quoi? Non, mais elle est juteuse. Nouvelle-France, Ninine, Bourgogne, Nouvelle-France, Ninine, Tostestastos. Fais le kangourou, t'es fou, toi. Tu m'as pris pour une gogole ou quoi? Je suis déjà... Tout le monde me dit que je suis gogole. Alors, c'est pas la peine d'en rajouter. Tu peux devenir la première dame de France. Épouse-moi. Et Galaxy, t'es fou, toi. Je vais pas me marier avec toi. T'habites trop loin et t'es un petit gamin et t'as 45 ans. T'es fou. Mon pseudo, ça commence par Florent. Bah ouais, c'est bien. Je te fais une demande en mariage en vidéo. Tu acceptes? T'es fou, toi. Vas-y, fais la demande en mariage, mais tu mets ton costume, ta cravate et tout. Tu connais quoi d'autre comme manga? Je connais tous les Dragon Ball Z qui sont dans le film, dans le dessin animé. Yannick sait faire ou vers Paris ou Gameway. Je sais pas, j'ai rien compris ce que tu as marqué, Dorian. Ben Manu, il est bien avec Brigitte Bardot. Avec Brigitte. Ouais, mais Manu, c'est un faux amoureux. Yannick, je t'aime, Kenny aussi. C'est qui a dit ça? Elle branle. D'accord. Bonjour, je suis Gabonax. Je coupe. Hein. Épouse de Carrie. Ouais, je vais pas l'épouser. Il est trop jeune. C'est un gamin. Il a 30 ans. Mais sois pas triste, Carlaxi. Je vais te trouver une femme. Ok? Ok, Carlaxi, je te trouve une femme. C'est où la Paris Games Week? Bah. À Paris! C'est à Paris, la Paris Games Week, mon petit gognol! Moi, je suis beau de nature. Ah, bah, ça, c'est sûr. Sûr, t'es beau gosse, hein? Tu vas pas avoir de mal à trouver une femme, hein? Tu connais le rappeur Lin Punch? Non, je connais pas. Tu as quel âge?
56. Merci beaucoup. Tu connais le rapport... Non, je ne le connais pas, le rapport machin, là. Janie, tu relives quand? Ben, en fait, chez ma soeur, ça marche bien, la connexion, pour l'instant. Alors, du coup, je vais live chez ma soeur. Ah, j'attends que tu m'as dit. Ah, ma playgirl d'amour, tiens, je te mets mon dos. Je t'ai mis modo, ma playgirl, parce que je suis modo sur ta chaîne et je te kiffe. Lol, tu réfléchis pour ton âge? Bah oui, parce qu'en fait, moi, après 30 ans, je sais plus. Je sais plus mon âge. Je me suis arrêtée à 30 ans. Hein. Mais on s'en fout de l'âge, à quoi ça sert. T'inquiète pas, je viens. Pas pour moi, je viens plaisir des petits coucous. Non, mais t'inquiète parce que, voilà. T'as combien d'enfants? J'en ai 4. J'ai 2 filles et 2 gars. Car je pense qu'il y a beaucoup de prétendants. Oh, bah, moi, j'ai pas besoin de prétendants, je suis déjà mariée. Hein. Je suis mariée, au fait. Non, enfin, je suis pas mariée. Je vis avec le père de Kenny depuis 30 ans. Bah, je vous dis tout parce que après, il y en a qui vont dire que je suis avec Jawed. En fait, je n'ai jamais été avec Jawed. Je n'ai jamais fait de bisous à Jawed. Si, sur la joue. Carla, si, moi aussi, je t'aime. I love you, baby. Mais arrête de me donner des sous. Ça. Je vais plus. Je vais... Comment tu veux que. Arrête. Je vais tomber dans les pommes. Moi, j'ai 2 enfants de 9 et 4, fille, garçon et un bébé que j'ai perdu. Moi aussi, j'en ai perdu 2 bébés. J'en ai perdu 2 bébés, sinon j'en aurais eu 6. Je suis triste pour toi, ma playgirl. Je te fais plein de bisous. J'espère que tu n'y penses pas trop. Parce que ça doit être dur de perdre un bébé. Yannick, je reviens au prochain live. D'accord, Elbranqui. Force à toi, Playgirl. En plus, t'es super gentil. T'es, comment dire? Comment je pourrais dire? Bah, y a rien à dire, t'es gentil, c'est tout. Tu connais qui comme YouTuber? Alors, comme YouTuber, naturellement, je connais Kenny, numéro 1. Numéro 2, TheCarry78. Numéro 2, Carlaxy. Numéro 3, Playgirl, Gros Lourd. Non, mais ceux que j'ai vus vraiment en vrai, que je les ai touchés, que j'ai fait des bisous, eh ben j'ai vu TK, Kenny, Adam le rigolo, il a fait des bisous avec Yannick, Game is 13, j'ai fait bisous aussi. Game is 13 est trop gentil. Hein. C'est un gars, waouh, voilà, voilà. Ou alors, c'est moi sur le cours alternatif, je le kiffe, il est trop gentil. Gamis 13, qui c'est que j'ai vu? Les duos, oh, les duos, c'est mes bébés. Les duos, c'est une fille et un garçon, ils font du Fortnite. Je les kiffe, alors là, je les aime. Mes couches, je le kiffe, mes couches. Et d'ailleurs, Jaja, les présentes expressions, tu me tues. Ouais, bah merci, c'est gentil. Comment ça s'appelle? Mes couches aussi, je le kiffe. Qui c'est que j'ai vu encore à la Paris Games Week, j'ai fait les bisous? Michou. Ah, Michou, non, j'ai pas voulu faire les bisous à lui. Hein. Oh là là, non, pas Michou. Hein. Non, non. Je les connais tous. Par contre, il y en a un, il fait des bisous, mais je l'aime pas. Je peux pas vous dire son nom. Hein. Mais... Ah, Tiziana aussi, je l'ai vue, que je la kiffe, elle. Elle est gentille, mais ses abonnés sont un peu ouf, comme les abonnés de Kenny. Hein. Bref. Tiziana, oui, je l'ai vu. Sport Alex aussi, ouais, je l'ai vu. Mais je veux plus parler de Sport Alex parce qu'il m'a dégagé de sa vie. Je l'ai invité chez moi et tout, machin. Et après, il m'a dégagé comme une merde. Alors, c'est bon. Je veux plus en parler de lui, voilà. Qui c'est que j'ai vu d'autre? Tu aimes ma moustache? Oui, t'es beau gosse, Carlaxy. Qui c'est que j'ai vu? Désolé, ça bug. Slip Notch, c'est quoi ça? Je vais venir à la Paris Games Week. Je suis célibataire. Ouais, il est célibataire, car ainsi, il a 43 ou 45 ans, je ne sais plus. Et il cherche une petite chérie.
Alors, si vous connaissez quelqu'un qui serait célibataire, il est gentil, fait rigoler, il est un peu fou dans sa tête, mais bon, c'est pas grave, hein, ça, on s'en fout. Il a 45 ans, MDR, Carlaxie. Bah, Playgirl, elle n'est pas libre, elle est mariée, elle a un enfant, elle a des enfants, c'est pas possible pour elle. Une femme gentille et fidèle. Ah oui, ça, c'est important. Fidèle surtout. Ah, pardon, j'ai pas pensé au troisième sens. Au troisième sens, tu joues à Fortnite? Oui, je joue à Fortnite, à GTA. Mais Presse Licorne, coucou, comment ça va bien? La copine à Zulman. Ah, t'es la copine à Zulman? Bravo, Zulman, il a la chance, hein? Je vais venir chez toi et te... Et te quoi? Il n'y a que des vieux dans ce live. Bon, on s'en fout, nous, on rigole, il y a qui qu'on veut, hein. Je vais venir chez toi. Eh ben oui, ben viens chez moi, je t'attends. Si tu veux un coup de boule, je peux jouer avec toi. Ben, je joue avec mon conjoint, hein. Je suis fort content d'être moustachu. Ouais, on croirait le gars à la télé, là. Celui que tu as fait voir en photo, là. Ça fait deux ans bientôt qu'on est ensemble. Bah bravo, presque licorne. Tant mieux, c'est cool. Bon, bah, Mikix, faut pas le dire, faut le faire. Carlaxi, je connais une meuf célibataire pour toi. C'est Big. Non, dans One Piece, elle a 50 ans. Fais gaffe, on est fer. Hein? Fais gaffe, Bruce Lee féminin. Je vais pas me faire traiter de vieux, car sinon je vais chatouiller les oreilles et les pieds en plein live. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Quoi, youtubeuse? Carlaxie, ah merci. Tu veux une youtubeuse? Tu connais code de forain? Forain? Non, je connais pas. Mais non, t'as le droit d'être sur YouTube. Hein. Tu connais Code Forain? Non, je ne connais pas. Arrête de le marquer, sinon je te banne. Beaucoup de menteurs sur YouTube et de profiteurs ou profiteuses. Évite YouTube, Carlaxie. Ah oui, pour trouver une meuf, faut faire gaffe. Hein. C'est une pêche que tu manges? Oui, ma chérie. Une pêche. Bon, du moment qu'elle... Elle est amoureuse et sincère. Ouais, du moment qu'elle est amoureuse de toi, c'est principal. Ah non, je connais pas Forlan. Ah, je savais pas que Zulman, il avait 22 ans. J'aurais cru qu'il avait 10 ans, moi. Yes, Varxix. Tu aimes la cuisine ou pas? Moi, j'aime bien cuisiner. Mais des fois, j'aime rien faire. Tu te souviens quand tu apprends Kéka? Oh, bah oui. Hein. Tu m'as appris un truc sur Pso. Là, ça m'a. Joker. J'ai pas compris, Nadia. Choqué? Ah, ça t'a choqué? Ok, Playgirl, je m'abonne à ta chaîne. Ah ouais, bah vas-y, Carlaxie, elle est gentille, elle joue à Fortnite si tu veux jouer avec elle. C'est à cause de la voix efféminée, à mon avis. Oui, mais moi j'aime bien, il est gentil. Instagram, là, Taps, elle a voulu dire qu'elle... Et choqué pour Sportless. Ah ben, moi c'est comme ça. Hein. En fait, je vais vous expliquer parce que après tout, j'en ai rien à foutre, ça peut le répéter. Sportless, il a cru que je racontais des conneries sur lui. Et du coup, il ne me parle plus. Mais j'ai jamais sur tout ce que vous voulez sur la terre que j'ai jamais critiqué Sportless.
rigolait super bien et tout. Je l'ai même invité chez moi. Et alors, je peux vous jouer sur la tête de, sur ma tête là, que je mords tout de suite devant vous, en plein live, que je mords en plein live, que j'ai jamais raconté des conneries sur Sport Alex. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une meuf qui a pris mon pseudo, la maman Kenny, pour aller sur des, sur des lives ou sur des vidéos pour raconter des conneries sur ma gueule en se faisant passer pour moi et que c'était même pas vrai. Et ça, je sais. Parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des screens de la meuf, la meuf ou le garçon hein, qui s'est fait passer pour moi. Il allait insulter des gens. C'était même pas vrai, c'était même pas moi. Et je peux vous dire que je mords là tout de suite, là, que bon Dieu me tue direct sur la table, là, que j'ai jamais raconté des conneries sur personne sur YouTube. À chaque fois, je me fais baiser, tout ça, parce que je fais de la pub pour certaines personnes. Par contre, j'ai jamais dit que j'avais fait de la pub pour Sport Alex, mais que j'avais fait de la pub pour deux personnes. Et puis, ça s'est retourné contre moi et je me suis fait baiser comme une vieille merde. Et après, on s'est retourné contre moi. C'est pour ça que maintenant, je fais de la pub à personne. Et ça, voilà. Il a avoué à Teka et aux abonnés que c'était pas sa vraie voix. Ah ouais. Ah bah il fait ce qu'il veut, hein, The Human. Les gens qui font ça, ils ont pas de vie. Bah ouais, puis après, on va dire, ouais, la Janik, c'est une menteuse, c'est une voleuse, c'est une menteuse. Non, pas une voleuse, parce que j'ai jamais volé. Oui, j'ai peut-être déjà menti, mais pour rigoler, mais c'est pas pareil. Mais j'ai jamais fait de mal à personne, ça, je suis sûre et certain que je meurs. J'aime aussi Gros Lourd. Je le suis aussi Gros Lourd. Ah oui, Gros Lourd, il est trop gentil. Mais pour revenir à Sport Alex, je lui ai jamais rien fait et ça s'est retourné contre moi et il m'a jamais cru que... Bon, enfin, il fait ce qu'il veut, il vit sa vie. Jean Pouranov, là, c'est celui qui joue avec... TK, c'est l'humain. Ouais, la méchanceté, c'est moche. On est une équipe. Moi, de toute façon, maintenant, c'est pour ça. Si on me dit, oui, va pas voir un tel, c'est un connard ou c'est une connasse, j'en ai rien à foutre, je vais où que je veux. Je vais voir les lives que j'ai envie. Si on m'aime, c'est bien. Si on m'aime pas, bah, je dégage, je reviens pas, c'est tout. Hein. On fait confiance aux mauvaises personnes, mais les vraies personnes, on ne leur fait pas confiance. C'est ça qui m'énerve. Je vais te laisser, Janik. Bonne journée à toi et à tout le monde. Gros bisous, presque licorne. Tu feras un bisou à Zulman, de ma part. Les rageux, il y en a marre. Ouais, il y en a surtout plein partout. Et voilà, quoi. On s'en fout. Moi, je m'en fous des rageux. Alors là, comment dire? Parce qu'il y a des gens là sur mon live qu'on m'a dit, oh, faut pas aller les voir, ils sont pas bien. Attention, tu vas te faire avoir. Bon, j'en ai rien à foutre. J'ai justement ces gens-là que j'aime bien, moi. Parce que ces gens-là, au moins, ils sont naturels, ils disent ce qu'ils pensent. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, bah, ils disent. Voilà. Oui, mais c'est pour le buzz, Sébastien, qui s'énerve aux gens. Mais il a raison, il faut bien rigoler. Faut avoir l'esprit critique, faut avoir son propre opinion. Moi, c'est pour ça que sur YouTube, je m'occupe de personne. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et ben, si j'ai pas envie, ben, je le fais pas. Hein. On n'oublie pas les pouces bleus parce qu'on est 17 et j'en suis sûr, il manque des pouces bleus. Je remange une pêche. Je te dis toujours la vérité. Ben, moi, c'est pareil. Je suis comme toi, Carlaxi. Quand j'ai un truc à dire, je vais le dire. Et quand j'ai pas envie, ben, je le dis pas. Par contre, la fille qui m'a posé la question là, tout à l'heure, je sais qu'elle me suit depuis longtemps, elle a été choquée de ce que je viens de lui dire, mais c'est la vérité. Je n'ai jamais rien fait à ce gars-là et ça m'est retombé dessus, enfin bref. Désolée. Slipknot, c'est toi qui m'as dit le truc pour... Mais non, mais sois pas désolée, hein, mais moi je dis la vérité. Je n'ai pas à mentir, c'est tout. Oh, Carlaxi, hein, pour la force, merci. Carlaxi, il ne va plus avoir de sous dans son porte-monnaie, tu ne vas pas pouvoir manger, toi, hein. Bon, gros bisous, ma Jaja, je vais faire à manger. Tu vas faire quoi à manger?
Tu vas manger quoi? Merci Naruto. Ah, il s'est fait bannir de Twitch, Jean, bah merde. Pas de chance pour lui. Oh, comment il va faire TK pour jouer? Coucou Karim. Coucou le joueur de PS4. Pizza chorizo. Ouah, je kiffe le pizza, moi. Pourvu que Robert, il m'a ramené du ralouf pour faire la pizza ce soir. Bah, hier, j'ai fait une brioche et du pain, moi. T'as mis Modo Carlaxis juste pour l'argent ou pas? N'importe quoi. Carlaxis, je l'ai mis parce que je l'aime bien, il me fait rire. Il est fou comme Yannick. Yannick, tu peux m'envoyer le dessin dans les commentaires? Bah, il faudrait d'abord que je le fasse. Hein. Jaja, je n'ai pas comme ça, Snipshot. Je sais pas ce qu'ils avaient dit. Ah non, moi, j'ai pas besoin d'argent. Je travaille, hein. Je vis pas sur YouTube. Hein. Et si tu me connaissais mieux, bah, tu dirais pas ça. T'es la maman Kenny. Thoraxi, bah, je crois, attends que je me souvienne. Oui, je crois que je suis sa mère. Peut-être, hein, je suis pas sûre encore. Tu fais le ramadan, Yannick? Bah oui, tiens, garde. Je mange. T'as vu derrière toi un esprit? Ah, mais si tu savais, je ne dis pas ça parce que ça pourrait t'arriver. Ah non, mais je vais pas sur Twitch, hein. Je vais sur Twitch, mais je fais pas de vidéo ni rien hein, sur Twitch. Carlaxi, j'en ai rien à foutre qu'on parle de moi en mal. Hein. Franchement, je m'en fous, mais je m'en bats les roupettes. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous. Parce que moi, j'ai ma conscience tranquille. Non, mais sérieux. Comment dire Les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous, car ici c'est la bêtise humaine. Ah oui, mais les gens, ils aiment. Puis en plus, moi j'aime bien qu'on vienne sur mes lives pour dire que je suis une connasse ou n'importe quoi. J'en ai rien à foutre, ça me fait des vues. Alors vous pouvez aller me critiquer. Ramenez tous vos potes pour venir me critiquer, ça ne me dérange pas, ça me fait des vues. Hein. Si vous savez que j'en ai rien à foutre. Moi je sais qui c'est qui m'aime et qui c'est qui m'aime pas. Hein. De toute façon, tous ceux qui m'aiment. C'est tous ceux qui viennent mettre des pouces bleus et qui viennent regarder mes vidéos. J'ai entre 200 et 500 personnes qui viennent voir mes vidéos, mes lives et tout. Alors, j'en ai rien à foutre. Les autres qui sont abonnés et qui viennent pas, bon, ils ont d'autres choses à faire et tout. Mais moi, j'en ai rien à foutre hein, qu'on vienne me critiquer. Alors là, rien à foutre. T'as Asta, bah, en fait, va voir dans ma communauté. Où c'est que j'ai mis ça? Oui, dans ma communauté, il doit y avoir mes adresses internet, mais dans les photos. Lol, ça fait des vues. T'as raison. Bah oui, moi je m'en fous qu'on vienne me critiquer, ça me fait des vues. J'ai le droit de disliker ou pas? Bon, si tu dislikes, ça ne me fait rien du tout. Tu peux mettre, vous pouvez mettre 50 pouces rouges, ça me dirait rien à foutre. Moi, c'est les pouces bleus et les pouces rouges, c'est considéré comme la même chose. Alors, ça veut dire que tu es venu me voir. Je m'en fous. Merci, Playgirl. Est-ce que je peux être modo? Antoine, je te connais pas assez. Jenny, je vais entendre pour attendre le dessin Dragon Ball Z. Est-ce que tu peux le dessiner sans Goku? Ouais, je vais voir Sacha. Parce qu'il faut que je dessine Jawad avant et après, si tu veux, je dessine Dragon Ball Z sans Goku, tout ce que tu veux. Yannick, je t'aime. Merci, Oxga. Bon, je te laisse. Je dois tourner une vidéo. D'accord. Coucou, Karima. Bisous, bisous. À bientôt, Carlaxi. Tu fais un live, Carlaxi, ce soir ou pas? Moi, tu me connais. Je peux être modo. Bah, je connais pas beaucoup ton nom. Hein, ou alors, tu as changé de nom encore. Tu sais dessiner Naruto, je sais dessiner tout ce que tu veux. Comment on fait pour être modo? Il faut être, comment dire, il faut partager mes lives, mettre des commentaires sur mes lives, mes photos. Il faut, attends, car si,
Et au fait, Playgirl, tu es très belle. Si, elle est magnifique, Playgirl. Galaxy, est-ce que tu live ce soir? Ok, je t'adore trop, Yannick, merci. Et par contre, Galaxy, faudrait que je te contacte en privé pour un truc. Qu'est-ce que tu penses de Jawed après tout ce qu'il a fait pour Kenny? Bah, qu'il ait fait quelque chose ou pas, de toute façon, Jawed, c'est un mec en or. Déjà, Kenny, quand il a connu Jawed, il n'était pas très bien, il était super ronf. Oui, un petit live. À quelle heure? Il n'était pas très bien, parce que tout le monde le harcelait à l'école et tout. Et depuis que Kenny... à quelle heure tu live, Carlaxie? Depuis qu'il est avec, bah, ça est devenu un homme, mon fils. Grâce à la Jawed, c'est devenu un homme. Je m'appelle Pipi sur un jeu de Bigfoot. C'est bien. T'as de l'audience grâce à YouTube? Bah, je sais pas, moi, grâce à YouTube. Ah, coucou, car... Oh là là! Oh là là! Il y avait longtemps que je t'ai pas vu, Sally. Désolée de plus revenir sur tes lives. J'ai eu des gros problèmes. Tu m'as manqué, Khalifa. Oh, Khalifa, lui, c'est mon premier roudoudou d'amour. C'est... Oh là là, comme je le kiffe. Tu reviens sur... sur YouTube, oh là là, comment je suis trop contente de te revoir. Tu refais des lives ou pas? Parce qu'on ne le voyait plus. En fait, j'ai essayé de te contacter et j'arrivais pas. Comme je changeais de téléphone, j'étais trop dégoûtée. Salut Yannick, désolé, nanana, nanana. Gros problème. Oh mince, j'espère que tu vas super bien. Kani était bébé avant? Ben non, elle était grand direct. Hein. Mais tu es vraiment... comme dans les vidéos, dans la vraie vie, ou est-ce que tu es autrement? Non, en fait, je suis exactement pareil dans les vidéos que en réalité. Je suis folle depuis que je suis née. Je l'assume carrément. Et puis, bah voilà. Tu pourras me dessiner Naruto, oui, si tu veux. Bah, allez dans à mon Messenger, demandez-moi un ami, et puis vous me demandez qu'est-ce que vous voulez. Pardon. Et en fait, ouais, j'ai toujours été comme je suis, et Kenny, il a toujours été comme ça. Kenny, il a toujours été fou dans sa tête, il a toujours aimé rigoler, tout, c'est toujours été un petit foufou. Et bah, en fait, peut-être qu'il tient de moi aussi, mais son père... Pardon, alhamdoulilah, je suis de retour. Cool! Je vais venir... te recontacter. Je vais aller voir si dans mes vieux carnets, si j'ai ton numéro de téléphone. Je serai en live à 19h. Juste 30 minutes. Franchement, t'es radin. Hein. Tu pourrais rester une heure au téléphone en live, hein, Carlaxie. Moi, j'ai le... Non. Mais je m'en fous. Le TDAH. C'est quoi, ça? Bon, bref, t'as pas besoin de le dire. C'est pour un projet. Tu gères, je t'adore, nanani, nanana, franchement, tu rigoles. Bon, en fait, bah, tout ça pour conclure. Je suis cinglée, je le sais, je l'avoue. Et puis, bah voilà, c'est pas grave. Hein. Oui, car j'ai besoin de me reposer. Vas-y, t'es pas un vieux couillon, hein. Maladie neurologique. Ah, bah, c'est pour ça que t'es cinglée. Oui, je suis de retour, c'est difficile, ça va, j'espère qu'on filme une personne très respectable. Je suis venue chez moi. C'est une... Ah ouais, bah oui, hein. Mon petit roudoudou de Khalifa. Tu crois vraiment qu'elle va te donner l'adresse de The Carrie? Oui, bah lui, il faut vraiment qu'il arrête de rêver. Hein. Bon, sur ce, bah, Carlaxi, il s'en va. Bah, moi, je me casse. Non, c'est... Mais heureux. Ouais, on est fous, mais heureux tous les deux. Et puis, voilà. Bon, bisous à ce soir. Hein. On se fait une bouffe sur YouTube. Bisous, Carlaxi. Tu dors à quelle heure? 1h du mat? Oh, bah, cette nuit, je me suis couchée à 3h du matin. Tu dors à quelle heure? Non, non, non. Comment ça va? Go faire un camp. Un camp? C'est quoi un camp? Merci, Carlaxi, des bisous. Merci, Carlaxi, pour tous les dons, mon grand fou. Je suis chez TK. Sébastien, bah, fais une photo avec TK et Kenny et tu me l'envoies sur Messenger. Mytho!
Sébastien Mito. Après, on va t'appeler Sébastien Mito. T'as déjà fait un rituel avec Kenny? Oui. Et même, il m'a coursé avec un couteau. L'adresse de TK, s'il te plaît, c'est pour un projet. Et t'es fou, toi, dans ta tête, hein? Et non, mais t'es trop fou, hein? T'es fou, hein? Comment tu fais un live? Bah, t'appuies sur le bouton vidéo directe. Quand t'as entendu, elle a dit, mon don, arrête de spammer. Tu connais le jeu Roblox? Ouais, moi, je suis en live. Ah bah, il vient faire sa pub, le califa, hein? T'as raison, mon gars. Bah, après, tu t'arrêtes quand, califa? Parce que quand tu veux. Moi, je suis en live parce que tu veux. Califa, tu... tu restes en live jusqu'à quelle heure? Appelle Kenny, Janik, j'ai pas Messenger. Ah bah, c'est malin. Bah, Instagram, hein. C'est Janik aussi. Oublie pas de liker le live de Janik. Et Califa, tu lives jusqu'à quelle heure? J'ai plus d'abonnés que toi. Bah, c'est bien. Bah, t'as qu'à m'envoyer des abonnés, alors, si t'en as plus. Galaxy, tu peux bannir... Non. Salut la maman Kenny, tu t'appelles comment sur Roblox? Mais moi, je n'ai pas Roblox, hein. Salut Zoro. Qu'est-ce que t'as? Sleep. Sleep Note. T'as un drôle de nom, toi. Sleep Note. Bonjour, Musaxien. Carlaxi, c'est le sang. Ouais, elle est trop gentille. Appelle Kenny. Mais non, je peux pas. Je suis avec mon téléphone. Si j'appelle Kenny, j'ai éteint mon live. Hein. Pour une fois que je peux live, je suis chez ma soeur. Hein. Bon, moi, de toute façon, je vous fais des bisous. Et s'il y a des nouveaux abonnés, eh ben, tant mieux. Comment tu vas, Janik? Wings FR, bah, ça va bien. Kenny a cassé son ramadan. Oh, bah, lui, c'est un grand fou. Il casse tout le temps son ramadan. Grâce à ton fils, on a passé les meilleurs moments sur YouTube, surtout en 2017. Oui, mais là, il revient en force là, avec le ramadan. Après, il ne va plus quitter les lives, hein. Enfin, les vidéos. Coucou, la pomme d'amour. La pomme love. Pomme d'amour. C'est qui, la pomme d'amour? Galaxy dit à Karim de arrêter de me harceler. Mais tu ne lui réponds pas. J'ai pas Instagram. Alors, moi, j'ai Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. Bah, t'as quand même, si tu as Twitter, tu as quand même contacté sur Twitter. Du coup, Nadia, elle est partie. Elle ne parle plus. Je suis en live jusqu'à 18h. Il est quelle heure, là? Oh, bah, c'est bon. J'arrive. Je vais venir te voir après. J'étais malade hier. Bah, mince. Bon, sinon, moi, je vous fais des bisous, je vous quitte, je vous embrasse très fort. C'était le retour des lives. Bon, en fait, je ferai des lives chez ma soeur parce qu'il y a de la cox, la connexion. Et puis, voilà. Je vous fais plein. C'est quoi ton Sana Snapchat? Je ne m'en rappelle plus. Regarde dans ma communauté, il y a toutes mes adresses. Tu as Snapchat, Janik? Oui. Je vous fais des bisous. Adios, amigos. Hasta la vista, baby. Ta Twitch, oui, c'est... Janik... non, Jean Odile. Jean Odile, attaché 19, je crois. Mais tu marques Jean Odile et tu me trouves. Je crois que c'est 19, hein, mais je ne suis plus sûre. Gros bisous. Adios, amigos. Hasta la vista, baby. Salut les bibous! Au revoir, à bientôt!